Bienvenue sur Ivoire TV 5. L'artiste Ovet Cholola, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a fait des révélations sur l'homme de main de DJ Arafat, Olopatcha, et s'en est pris à tous les membres de la nouvelle Eurogang. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Ovet Cholola, ils attendaient la mort de l'enfant Arafat parce qu'ils étaient chez lui par intérêt. Quelques semaines après la mort de DJ Arafat, l'un de ses plus fidèles amis, qui est resté à ses côtés durant de nombreuses années, Olopatcha, a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse face à la disparition de son frangin. Le plus triste dans ce deuil est que la seule personne capable de me consoler est celle que je pleure. À jamais dans mon cœur Didier. Je me demande si je trouverai la force d'évacuer cette douleur qui me ronge de jour en jour, s'était-il exprimé avec compassion. Il ne fallait pas s'y attendre longtemps pour qu'un ex-membre de la Eurogang lui apporte la contre-attaque. Sur les réseaux sociaux, Olopatcha fait pitié. Il est présenté comme le meilleur camarade de DJ Arafat, celui-là même qui n'a pas trahi Arafat DJ. Oui, ses propres mains, les dents qui sont dehors ne représentent pas le cœur. Vous vous amusez avec l'homme noir. Arafat DJ est mort, Olopatcha est rentré dans sa chambre. Il a cassé son placard pour prendre son pistolet. Il a pris toutes ses chaussures. Carmen l'a surpris. Elle a commencé à couler des larmes parce qu'elle se disait que la seule personne sur qui elle pouvait compter, c'était Olopatcha. Il a même remis la cravate d'Arafat à un enfant du quartier et il est parti avec les chaussures. Le pistolet, les gens sont allés derrière lui pour le récupérer, a révélé Ovet Cholola. Poursuivant, cet ex-membre de la Eurogang s'en est pris à tous les membres du staff d'Arafat qui entendent prendre la relève du déchiquant à la tête de la Eurogang. Ils sont tous mauvais. Ils attendaient la mort de l'enfant parce qu'ils étaient chez lui par intérêt. Ils ne payaient ni l'eau ni le courant ni la nourriture. Ils ne payaient rien. Ils sont en train de faire des réunions pour dire « Voici le successeur de la Eurogang, mais qui peut prendre la Eurogang ? Vous pouvez produire quel artiste ?» L'homme qui avait la Eurogang en main s'appelle DJ Arafat. Personne ne pourra s'asseoir sur son trône. Personne ne pourra faire la même chose que lui, a ajouté Ovet Cholola.